dansant de Vénus et son école agréable. Voici le jeu de Bacchus, voici le cercle du diable, voici sa belle invention pour notre perdition. Oui, Satan est l'inventeur de la danse malheureuse, il est le premier de cette peste joyeuse, pour d'aller bien joyeusement et comme insensiblement à la danse, il est le roi. C'est là qu'on lui fait hommage, c'est là qu'il donne la loi d'un joyeux libertinage. Il a pris séance en ce lieu, il a son trône au milieu, c'est lui qui met tout en train en ce maudit exercice. Il y glisse tant de venin et sa flamme et sa malice, c'est de lui que vient le désir et le funeste plaisir. Il anime les danseurs à danser, chanter et rire. C'est là qu'il gagne leur cœur et leur corps à son empire. Il en fait tous les mouvements, les pas et les tournements. Il se glisse dans la voix pour chanter de bonne grâce. Il anime le hautbois pour chanter sans qu'il se lasse. Il y fait tous les agréments et les sons des instruments. Il se glisse dans le corps des danseurs et des danseuses pour leur donner des transports de ses flammes amoureuses. Il conduit les pieds et les yeux de ces pauvres malheureux. Leur corps est tout déréglé, leur esprit est sans lumière, leur cœur est ensorcelé, c'est ce que le diable opère, leur faisant nommer scrupuleux ceux qui ne sont pas comme eux. Le démon chez les païens à ce tribut ordinaire, il n'en cherche pas les biens, mais qu'il danse pour lui plaire. On tient que Satan leur promet pour danser quelques bienfaits. Les sorciers dans les sabbats, on dit-on cette pratique, ils font après leur repas une danse diabolique. C'est l'encens, le culte fatal de cet esprit infernal. Presque tous les réprouvés croient que la danse est permise, mais ceux qui seront sauvés, les vrais enfants de l'Église, l'ont tous en exécration, en abomination. En parlant en général, la danse est indifférente. De soi, ce n'est pas un mal, elle peut être innocente. Car David dansa de ferveur devant l'arche du Seigneur. Mais pour danser sans péché, il faut tant de circonstances qu'on ne peut pas s'empêcher d'offenser Dieu dans les danses. C'est un mal ordinairement, c'est un grand dérèglement. La façon, le temps, la fin et la personne qui danse y
jette tant de feu qu'on y perd son innocence. Le malheur suit presque tous les danseurs et même leurs spectateurs. Comment vient-on au malheur de ce fin libertinage avec poudre de cendre, avec femme sur le visage, avec des fines nudités, le luxe et la vanité? Hélas, comment danse-t-on? La manière en est infâme. Tout inspire le poison d'une très impure flamme. Ces regards si doux et perçants, ces mouvements si pressants, les pas sont si mesurés, les cadences sont si belles, les acteurs si bien parés et les chansons si nouvelles, qui pourraient s'empêcher d'aimer, de brûler et d'enflammer. Donne pour la clôture de ces cruels messagers d'une flamme tout impure. Sont-ils pas les sceaux du démon qu'on imprime comme son nom? On sait bien par quel motif on danse pour l'ordinaire. Ils sont cachés mais lassifs. On veut aimer, on veut plaire, émouvoir ou bien être ému, ou voir ou bien être vu. Thank you.
Les hommes sont aveuglés par la danse d'hyper. Les hommes.